Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo car j'ai reçu un petit colis de Wish. Alors je voulais vous montrer, au début je voulais attendre d'avoir tous mes articles pour vous les montrer, mais finalement le site Wish met un petit peu de temps à recevoir, donc il y a un délai de 1 mois, sauf que du coup pendant les 1 mois vous les recevez n'importe quand. Donc, par exemple celui-ci je l'ai reçu, elle est peut-être une semaine après que j'ai passé la commande. Donc voilà comment ils sont, donc c'est vraiment un site Wish, hein, où il y a les adresses, machin. Voilà, alors moi j'ai acheté des petites billes de couleur où on dirait que c'est un petit peu gélatineux. Et il y a 2000 billes de couleur et j'ai eu ça 1€. Donc des fois vous pouvez avoir ça gratuitement, enfin ça dépend des périodes, des promotions qu'ils font. Et à la base ça vaut, enfin ils marquent sur le site que ça vaut 25€ toutes les petites billes, et nous à Wish on les a à 1€. Donc par contre il y a des frais de port, donc il doit y avoir 1 ou 2€ de frais de port, j'ai pas fait attention. À chaque fois que vous faites à chaque fois que vous passez des commandes. Donc voilà. Alors, je fais attention parce que j'ai fait des petites billes là-haut. Alors, j'ai retiré les petites billes. Donc, ils sont dans un petit papier bulle, comme ceci. Donc, nous avons les petites billes. Ah oui, je comprends mieux pourquoi ça s'en va. Parce que c'est ouvert. Donc, voilà. Donc, nous avons les petites billes qui sont comme ceci. Donc, plein de petites billes. Voilà, de couleurs bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de prendre des couleurs car j'ai vu sur le site Wish, il y en a d'autres où vous pouvez prendre que par couleur. Mais là j'ai pris multicolore, toutes les couleurs qu'il y avait, pour tester. Alors ensuite vous les mettez dans le lot et tout simplement ça vous rend ceci. Alors je pensais qu'on allait voir mieux, mais ouah, ça s'en va. Mais on voit pas beaucoup. Donc je vais carrément en mettre un tout petit peu dans ma main. Parce que vous avez bien vu, ça rebondit. C'est pas top. Et j'en fous partout, bien évidemment. Donc ça, en fait, ça fait des toutes petites billes comme ceci. Donc voilà, donc il y a des petites billes. Après, ça dépend. Il y a d'autres couleurs où c'est plus gros. J'ai testé une autre fois, la bille est beaucoup plus grosse. Donc par exemple, celle-ci, elle est beaucoup plus grosse que celle-là, on va dire. Je vais essayer de vous montrer. La bille-là est beaucoup plus grosse que celle-ci. Mais après ça dépend de combien de temps vous laissez, parce que j'ai remarqué que plus vous laissez longtemps, plus les billes ressemblent à celle-ci en fait. Elles ont cette taille-ci. J'ai un petit peu de mal parce que ça glisse un peu des doigts et en plus ça rebondit partout par terre. Donc c'est pas trop évident. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. En billes. Wow, ça rebondit. J'en fous partout et ça rebondit partout. Attention parce que ça rebondit. Et aussi quand vous les prenez dans les mains, il faut les manipuler très doucement. Parce que regardez par exemple, là je sais pas si vous voyez, j'en ai un peu sur le doigt. Et en fait elle se casse très très vite en fait. Donc quand vous mettez par exemple celle-ci, regardez, elle était collée à une autre. Je vais ranger les autres. Elle était collée à une autre et du coup ça fait un petit truc comme ceci. Parce que j'ai enlevé de l'autre bip qui était collé. Du coup, ça m'a fait ceci. Donc voilà, donc moi j'ai eu tout ça. Donc quand vous en mettez, mettez-en pas trop. Parce que moi j'ai fait l'expérience où j'ai dit tiens, bah, je vais en mettre un petit peu. Et au final, j'en ai eu beaucoup. Donc c'est pas forcément ce que je voulais. Donc il y en a que j'ai mis dans un vase. Enfin, j'ai pas encore rempli tout le vase. Parce que j'ai voulu faire la vidéo avant pour vous. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. De ça, ça ressemble à ça. Donc c'est plutôt pas mal, moi j'adore, c'est en déco, voilà. Donc je vais vous montrer une petite idée que j'ai eue. Genre j'ai eu des petits... Alors je vais faire attention à mes mains parce que tout à l'heure j'ai secoué comme ça et ça s'est tout envolé. Alors des petites boîtes comme ça. Et transparentes, alors voilà. Donc moi c'est en forme de cœur et il y a... attendez, je vais secouer parce qu'il y a un peu de buée. Et il y a toutes les billes, enfin quelques billes dedans. Et j'ai trouvé ça super beau. Après, je ferai peut-être des cœurs de couleur. Donc de chaque cœur, d'une couleur. Mais quand c'est petit comme ça, on ne peut pas trier.
Donc c'est pas facile de faire ça. Donc après j'en mettrai certainement dans un vase pour faire joli. Alors sachant que quand vous mettez dans les vases, vous pouvez, même si vous enlevez l'eau et vous les mettez dedans, même si vous voulez que ça fasse en même temps que vos fleurs, mais vous pouvez y avoir un gros comme ça et mettre de l'eau avec vos fleurs en fait. Et ça fait... Enfin ça reste comme ça. Ça grossit pas. Enfin si ça grossit, mais je pense pas que ça grossit plus parce que j'ai déjà testé toute une nuit et toute la nuit ça me donne des billes à peu près grosses comme ça quoi. Donc bah les plus grosses billes, donc celle-ci. Ça me donne à peu près celle-ci de diamètre. Oh, ça glisse. Donc voilà, donc moi je les ai mis là-dedans. Après vous pouvez les mettre dans des vases. Donc je trouvais ça super bien. Très simple, vous mettez ça dans de l'eau. Vous attendez les 2-3 heures. Ça commence à gonfler. Et de ça, vous obtenez ça. Et du coup, dans les petits trucs, enfin dans les petits paquets comme ça, tout chou. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé. Donc moi par exemple, ceux-là, je vais les mettre pour party light. Donc sur ma table de party light, voilà. Je mettrai peut-être du scotch pour pas que les petits prennent dedans parce que c'est pas très bon. Mais je les mettrai en décoration sur ma table. Deux bougies, ça peut être sympa. Ça fait une petite décoration en plus. Voilà. Donc tout simple. Alors du coup c'est sur le site Wish, je rappelle. Moi j'adore ce site, j'ai toujours pris des choses à Wish. Sauf qu'il y a un peu des frais de port. Donc les frais de port c'est au moins 2 euros le frais de port quoi. Mais sinon au niveau de tout ce que j'ai acheté, moi toujours ça m'a toujours beaucoup plu. Sauf il y a un t-shirt que j'ai acheté à Wish. Et sur Wish il faut faire très très attention au niveau des tailles. Car j'ai pris une taille M. Elle, je sais plus, je crois que j'avais pris une taille M et au final ça ressemble à une taille XS, donc voilà. Donc faut faire très attention, mais sinon, à part ce souci-là, j'ai jamais eu d'autres soucis. Donc je vous ferai certainement une autre vidéo, une vidéo où je vais tout rassembler de tout ce que j'ai à Wish. Donc, parce que j'ai déjà acheté des coques de téléphone, des rouges à lèvres, le haut que je vous ai raconté, du maquillage, je crois, mais je ne suis pas sûre, je crois que j'ai eu que les rouges à lèvres, enfin des glosses. Donc je vous ferai certainement une petite vidéo dessus et prochainement il y a d'autres choses qui arrivent. Donc quand les petites choses arrivent, je vais vous faire des petites vidéos toutes simples comme ça. Je vous montrerai les produits de Wish et je ferai une vidéo globale de tout ce que j'ai acheté, de ce que je suis contente, de ce que je suis pas contente pour après. Donc là je peux vous dire que je suis contente parce que du coup ça fait quand même, je pense que ça doit faire peut-être une semaine ou quelques jours que je l'ai. Donc ça fait peut-être quelques jours que je l'ai, 400 jours que je l'ai. Et je suis satisfaite de ça. Ça passe à ça. Donc je suis très très satisfaite. Donc après, en petit, on ne peut pas compter combien il y en a. S'il y en a bien le nombre ou pas. Enfin, il y en a qui peuvent compter, je sais pas. Moi, je ne m'amuse pas à compter parce que je pense qu'il y en a le nombre qui disent, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a le nom qu'ils disent et puis les couleurs sont assez sympathiques. Il y a juste les petites billes blanches qui sont déjà toutes petites là, qui sont très petites. Alors il y a les petites billes blanches et il y a une autre, et il y a les bleus. Ils sont en bleu, ça fait petit et enfin petit quand même. Après il faut laisser quand même le temps de poser, enfin le temps dans l'eau pour que ça puisse bien gonfler. Parce que, à mon avis, j'ai pas mis les mêmes temps. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas gonflé autant. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à aimer la vidéo et à partager. Enfin, partager, oui, non. Mais surtout à aimer la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà testé ces petites billes de couleur. Ces petites billes de couleur. Ou pas du tout. Si vous avez déjà acheté à Wish, ce que vous avez aimé. Ce que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me parler sur YouTube en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Je répondrai à vos questions ou si vous avez des choses à partager. Et si vous avez des idées de vidéos, enfin j'en ai quand même quelques-unes idées. Mais pour l'instant, je ne veux pas les lancer tous en même temps. J'en lance quelques-unes après les autres. Comme ça, vous en verrez plusieurs. Et ça peut être sympa. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou journée et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.